Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes derniers achats du moment. Donc en fait, il y aura des achats Noz. Donc j'ai tout mis là-dedans. Des achats Noz, des achats aussi, enfin un truc, tout est de Noz. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai acheté d'occasion, un truc qui s'appelle Happy Cash. Donc j'ai commencé par le truc que j'ai acheté d'occasion. Donc de chez Philips, c'est comme vous pouvez le voir, je l'ai eu à 10 euros. Donc moi, je l'ai désinfecté avec de l'alcool hein, quand même. Donc vous avez les bouquins, les trucs comme ça. Hop. Et en fait j'ai déjà un épilateur, le premier Silk Epil de chez Braun. Et ça me fait trop mal, j'arrive pas à le faire, je trouve que ça arrache. Donc moi je pense que j'irai le revendre justement à Picache. Mais moi personnellement je le nettoierai avant de le vendre parce que celui-ci que j'ai pris moi, il y avait des poils encore un petit peu... Bah, des poils un peu accrochés là, mais bon, voilà, je l'ai nettoyé avec de l'alcool. Il est franchement vraiment mignon. Donc voilà comment il est. Et moi, ce que j'aime, c'est justement ça, le fait qu'il y ait des rasoirs. Donc en fait, les vibrations vont faire que les poils vont se mettre au milieu de chaque petite lame. Et ça va couper au fur et à mesure. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Pas comme les autres, ça n'arrache pas. Donc vous sentez pas, c'est pas douloureux parce que ça coupe juste le poil, juste à la racine. Après, ça dépend du poil que vous avez. C'est vrai que moi, mon poil, il n'est pas très dur. Du coup, après l'avoir utilisé, c'est vrai qu'après, j'ai quand même cet effet doux. Mais voilà, moi, c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup. Après, si vraiment vous avez le poil un peu plus épais, ça peut ne pas vous convenir parce que vous allez toujours avoir en dessous de la peau ce poil dur qui va vraiment être... On va le sentir au toucher, donc c'est vrai que ça peut ne pas vous convenir. Mais après, il faut toujours demander à votre esthéticienne de tester un petit peu quel appareil, parce qu'en général, elles ont un petit peu des appareils, mis à part la cire. Tester quel appareil vous conviendrait avant de vous aller l'acheter. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Vous avez la petite brosse qui va avec pour pouvoir nettoyer l'appareil. Voilà. Donc ensuite de chez Noz, j'ai pris deux grosses jarres comme ça. En fait, c'est au niveau de la taille, c'est l'équivalent des grandes jarres Yankee Candle. Et ça, c'est la marque Starlight. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez qu'une seule mèche à l'intérieur. Et l'odeur, pour moi, c'est exactement, mais vraiment exactement la même odeur que la Christmas Cookie. Franchement, c'est exactement la même odeur. J'en ai acheté deux. La deuxième, elle est en train de brûler. Et franchement, ça diffuse super bien. En plus, Julie avait fait une vidéo où elle en avait pris une, il me semble. Une ou deux. Je sais plus combien t'en avais pris, Julie. J'irai revoir la vidéo après avoir filmé celle-ci. Mais en tout cas, j'avais regardé et j'avais vu qu'elle avait trouvé plein de trucs à Noz. Et du coup, moi, j'y suis allée. Mais j'avais pas trouvé les bougies. En fait, les achats que je vous montre, hein, c'est en deux fois chez Noz. Et du coup, quand j'y suis retournée et que je les ai trouvées, franchement, j'étais super contente. En plus, c'est la vanille, moi j'adore ça. Mais ça sent vraiment la vanille gâteau. Donc en fait, c'est comme si vous aviez fait du gâteau chez vous. Et c'est 5 euros la bougie, 4,99 euros. 5 euros la grosse jarre. Donc du coup, bah, j'en ai pris deux. Et franchement, elle brûle depuis qu'on est rentrée. Il n'y a pas grand changement. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un super bon achat. Je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment contente de l'avoir prise. Donc ensuite, encore copié de Julie, j'ai pris le même portefeuille qu'elle. En fait, j'ai regardé sa vidéo et en fait, on habite la même ville. Donc on a le même Noz, ce qui est plus facile, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde des vidéos achat Noz et on n'habite pas la même ville, comme j'en avais discuté avec une abonnée, Stéphanie, et c'est vrai qu'on s'était dit que, enfin, quand moi je trouve des trucs qui sont vraiment géniaux, je lui dis voilà, j'ai trouvé ça à Noz et tout, et il me fait ouais, mais moi dans mon Noz, il n'y a pas ces trucs-là. Voilà, il y a des Noz... Il y a des Noz plus ou moins bien que d'autres. Il y en a, ils sont vraiment pourris, il n'y a rien. J'avais été à celui de Saint-Jean-d'Angély pour celles qui sont de là-bas. Je ne sais pas si j'ai des abonnés de là-bas. Et il était super top. Par contre, le Noz de Saint-Jean-d'Angély, il est vraiment très bien organisé. Vraiment super, super top. Mais non, je suis loin de là-bas. J'y avais été en vacances seulement. Mais c'est vrai que franchement... Donc pour en revenir au porte-monnaie... Enfin portefeuille, il est vraiment super. Hein. Franchement, ça fait pas cheap quand vous le tenez. Il y a vraiment, vous sentez la qualité, même le cuir, comme elle disait Julie encore une fois. Le cuir est de bonne qualité. Franchement, il est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, vous avez des poches ici. Vous avez encore un autre truc là, de ce côté-là. Au milieu, vous avez de quoi mettre des sous. Franchement, vraiment.
Voilà quoi, il est vraiment super super top. En plus, vous avez deux réglages pour le fermer. Et c'est tout à fait printanier. Alors moi, ça ne va pas avec mon sac. Julie a dit que ça irait très bien avec son sac. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir le sac avec lequel va ce portefeuille. Mais bien sûr, je ne le retrouverai pas, c'est sûr, mais j'aimerais bien voir quand même. Et du coup, ouais, j'aurais peut-être un sac qui irait. Je sais pas, je pense pas. Mais je verrai. Donc voilà pour ce portefeuille. Celui-là, je l'ai eu à 2 euros, il me semble. Ouais, 2 euros. Donc franchement, voilà, ça valait vraiment le coup. Donc Julie, elle avait pris une gourde. Et comme enfin, on va au sport ensemble, on y allait une fois. Hein. Toutes les autres fois où elle voulait que j'aille avec elle, moi j'ai eu la flemme. Où j'avais mal quelque part. En fait, il y avait toujours quelque chose. Et finalement, là, dernièrement, j'ai pris ma carte. J'ai pris ma carte à la salle de sport. D'ailleurs, c'est bon, maintenant j'ai la carte. Il faudra juste que je lui dise. Bah, tu sauras si tu regardes la vidéo. Et du coup, elle avait pris une gourde. Alors, du coup, quand je suis partie à Nos, j'étais à la recherche de cette gourde. Et elle, c'est une gourde transparente qu'elle a pris. De toute façon, je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Et en fait, ma vidéo à moi, elle est trop copiée de la sienne. Donc, si vous voyez la mienne et que vous voyez la sienne, vous dites, oh là là, elle est. Donc, elle avait pris une gourde et qui était transparente. Donc, ce qui est bien, si vous mettez par exemple des tranches de citron dans votre eau, ça fait joli en fait dans l'eau. Ça donne encore plus envie de boire. Mais moi, en fait, j'adore tellement l'eau que j'ai pas vraiment besoin de cet effet. Appétissant ou quelque chose qui va me donner envie de boire parce que franchement l'eau je bois beaucoup et j'adore ça et je n'aime pas la dénaturer, j'aime bien l'eau, le goût de l'eau nature. Et du coup moi j'ai pris cette gourde là, bon elle est plus petite que la sienne mais je l'ai trouvée trop mignonne, elle est en espèce de fer ou de verre, je pense pas que c'est du verre. Ce que j'aime bien avec cette gourde là, en fait ça se ferme un petit peu comme ça, vous l'ouvrez et vous avez le petit truc là. Parce que en fait, Julie, elle, c'est une pro, hein. Elle prend sa bouteille, elle boit en courant, il n'y a pas de problème. Ça dégouline pas. Genre, moi, j'étais en train de courir avec elle, enfin, courir, hein, c'est une façon de parler, c'était de la marche rapide qu'on faisait au niveau des tapis. Et à un moment, je la regarde, elle boit et tout, et puis ça me donne envie de boire, alors je prends ma bouteille. Je m'en fous partout, j'ai voulu m'essuyer avec ma serviette, elle est tombée par terre. Vraiment, elle est tombée deux fois. Au bout d'un moment, je me suis dit, si je vais faire que ça, descendre du tapis pour ramasser ma serviette. Je pense que ça fait un exercice, hein, vous me direz. Franchement, ça m'a saoulée. Du coup, ma serviette, une fois elle est tombée, je l'ai laissée par terre. Je sais, ça se fait pas, mais au bout d'un moment, ça m'a tellement saoulée, j'ai laissé par terre. Et du coup, ça m'a vraiment énervée. Et à chaque fois que je voulais boire, il fallait presque que j'arrête. Donc, je pouvais pas faire de programme avec la machine. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Et du coup, bah, il me fallait un truc comme ça. Il y a des bouteilles d'eau hein, qui font comme ça. Vous m'aurez dit, vous me direz, t'aurais pris un truc, après tu l'aurais rempli. Mais en fait, j'ai craqué quand j'ai vu ça. En plus, ça coûtait pas cher du tout. 2 euros, un peu moins de 2 euros aussi, ou 3, je sais plus. En tous les cas, c'est pas 3 euros, ça c'est sûr. 2 euros et quelques ou 2 euros. Et voilà, du coup, j'avais vraiment. J'ai trouvé trop mignonne, du coup, j'ai craqué. Donc ensuite, ça je l'ai pris aujourd'hui. Alors j'ai pris un après-shampoing de la marque Timothée. Donc là c'est une gamme bio apparemment. Il y a écrit shampoing. Non, c'est pas un après-shampoing, c'est un shampoing. Ah, j'ai cru que c'était un après-shampoing en fait quand je l'ai acheté. Il était à 1,99€, donc on va dire 2 euros. Et alors il y a écrit cheveux secs et abîmés à l'huile de noix de Brésil. Donc je l'ai pas ouvert, ça doit sentir bon, j'imagine. Ouais, normal, ça sent bon. Rien de bien extraordinaire, mais ça sent bon. D'ailleurs, je suis en train de faire un swap avec l'abonné dont je vous ai parlé tout à l'heure, Stéphanie. Et je voulais te dire, en fait, quand je t'avais dit que j'allais te prendre un après-shampoing, vu qu'elle change sa routine cheveux, c'était un Timothée aussi, mais en fait, je t'aurais pris un shampoing au final, mais c'était pas le même que celui-là. C'était un pour les cheveux normaux, c'était pas la même couleur et tout. Mais du coup, comme tu changes ta routine et que je savais pas vraiment si ça allait te convenir, je me suis dit hop, je prends pas. Je sais pas si les teintures vont abîmer le cheveu ou pas, donc je me suis dit je prends pas. En tout cas, celui-là, c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc ensuite, j'ai trouvé ça. En fait, c'est un livre sur les tatouages. Donc c'est pas un livre qui est pour moi, mais je vous montre quand même parce que si ça vous intéresse, il y en a peut-être hein, Noz, où vous habitez. Faites vraiment au niveau des livres, il faut vraiment bien fouiller parce qu'il y a souvent des belles perles, il y a des beaux trucs. Là, j'ai vu dans mon Noz, il y avait des coffrets. Vous savez, les coffrets cuisine où on vous met le livre de cuisine avec les ustensiles ou des petits pots ou des petits trucs en verre pour préparer les recettes. Et ben là, au Noz, il y avait, je crois, pour 4 ou 3 euros des coffrets qui en coûtaient 12 ou plus.
Vous aviez des très jolis coffrets, mais bon, j'ai pas pris parce que, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai pas pris, c'est que j'ai trouvé que les verrines ou les petits pots, en fait, les petits trucs qu'ils avaient donné avec, c'était trop petit. Genre, pour faire un soufflet, le truc, il est haut comme ça. Pour faire un soufflet dedans, c'est large comme. Enfin, franchement, c'était trop petit. Je me dis, enfin, tu sers ça à quelqu'un, hein, il reste sur sa faim, quoi, c'est pas la peine. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de généreux. C'est vrai qu'au niveau de la nourriture, les quantités sont assez généreuses. Et je me voyais pas acheter des trucs comme ça, mais c'était vraiment pas cher. Mais donc voilà, faut vraiment fouiller bien. Celui-là, il m'a coûté moins de 3 euros. Et voilà, ça parle des tatouages. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça va spoiler un petit peu Julie parce qu'en fait, c'est pour elle. Et bah, dedans, en fait, vous avez l'histoire du tatouage. Vous avez des tatouages. Des exemples, en fait, le tatouage en étoile, le tatouage. Et elle, en fait, ça va l'inspirer parce qu'elle essaie de dessiner son futur tatouage. Et du coup, elle trouve l'inspiration un petit peu partout. Elle fait beaucoup de dessins. Et à la fin du livre, il y a plein de tatouages qui ont été dessinés par des artistes. Donc, ça peut lui plaire. Il y en a plus ou moins un petit peu bof bof, un peu kitsch. Mais sinon, il y en a qui sont vraiment très jolis. Et bon, après, je la laisserai faire son choix et j'ai hâte d'avoir son avis sur ce bouquin. En tous les cas, voilà. Pour quelqu'un de passionné de tatouage comme toi, je pense que ça peut que te plaire. Bon, je sais pas si ça va t'apprendre quelque chose étant donné que t'es passionné depuis très longtemps. Mais voilà, j'espère que ça te plaira et en tout cas, j'ai hâte de connaître ton avis. Donc, pour terminer, j'ai pris ceci. Donc, j'ai pris ça. En fait, c'est quoi? C'est des petites sacoches. Enfin, c'est une sacoche Revlon. Comme ça, en fait, c'est un assez grand vanity, comme vous pouvez voir. Et dedans, vous avez trois trousses. Et les trousses sont de bonne qualité. Ce que j'adore avec ce petit truc-là, c'est qu'en fait, il est transparent. Et franchement, pour voyager, je trouve que c'est juste top. En plus, à l'intérieur, vous avez une petite poche pour le téléphone. Vous en avez deux. Après, vous mettez, je pense, ce que vous voulez, hein. En tous les cas, voilà, j'ai vraiment adoré ça. À Carrefour, ça coûte super cher. Hein. J'en avais vu pas des Revlon, mais c'était des Babyliss. Ils en avaient fait en plusieurs couleurs et les Babyliss, ils coûtaient plus de 24 euros. Et j'ai trouvé que c'était ahurissant. Pour des trousses, 24 euros, c'était trop. Là, je les ai trouvés à 12 euros. En fait, 12 euros la sacoche avec. Je ne vous avais pas montré le devant, je pense. Voilà le devant. Vous avez une autre petite poche ici. Là, vous avez écrit Revlon. Donc voilà, moi je trouve que c'est sobre, que c'est classe. Et voilà, ça fait pas kitsch, ça fait beau. Et puis vous pouvez l'emporter vraiment partout. Donc ensuite, je vais vous montrer bah, les petites trousses qui vont avec. Et franchement, pour 12 euros, moi je trouve que ça va. Donc ici, ça va être un petit peu tout ce qui est yeux, tout ce qui est mascara, crayon, recourbe-cils, etc. Quand vous bougez, vous prenez pas tout. Donc c'est vraiment juste la taille, juste ce qu'il faut pour. Donc voilà. Je vous montre peut-être l'intérieur. Franchement, c'est vraiment, c'est un petit peu matelassé. C'est vraiment, c'est top. Pour moi, c'est top. Donc ensuite, vous avez une autre trousse, elle, qui est un peu plus grande et qui est vraiment très jolie au niveau de la forme. Je la trouve vraiment très belle. Donc pareil, un noir sobre, vraiment, vraiment très joli à l'intérieur. Donc voilà. Et la petite dernière qui est comme ça. Donc moi celle-ci je mettrai tout ce qui est poudre, voilà tout ce qui va être produit teint. Et là je mettrai tout ce qui va être produit lèvres. Alors vous avez les yeux, le teint, les lèvres. Puis dans le grand vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc voilà vraiment de quoi vous faire plaisir. Nos, ça restera vraiment pour moi la caverne d'Ali Baba. C'est vraiment un endroit où on trouve vraiment plein plein de choses très intéressantes. Faut savoir fouiller, faut avoir la patience. Puis voilà, j'ai rien à rajouter de plus. En tous les cas, pour moi, ça reste un bon plan, ce magasin-là. Et en tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!